Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 3 de l'Infinite X Génération Leader. Et du coup, on avait une ou deux bébés, donc c'est parti, let's go. Alors, mon aspirateur toujours content, moi la dernière fois j'ai essayé d'attendre enceinte, vous vous rappelez, avec cette personne justement je crois, et ce n'est pas passé, donc essayez de faire un bébé avec Eloi, rebelote, c'est 2h du matin. Alors pour ceux qui se rappellent pas, on avait eu Camembert, Remember, voilà, Remember il a pris la couleur de la maman, et Camembert elle a pris sa tête. Non, pousse! Il est parti, Eloi? Je le vois plus. Il a dû partir. Ah, mais je me sens beaucoup mieux d'un coup. C'est marrant. Ah, mais oui, j'ai été mangée, c'est pour ça. C'est pas logique, en fait. Hein. Tout va bien, c'est le principe. Hein. J'aurais une question. Pourquoi Shreka et pas Fiona? Parce qu'en fait, elle ressemble à Shrek et non pas à Fiona. Je me suis vraiment inspirée de Shrek, pour le coup. Je vais les coucher petit à petit. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment faire Shreka et non pas Fiona. Que Fiona, elle est belle. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as faim. Ouais, bah, excuse valable. Alors... plus de choix, soin du bébé, nourrir, nourrir au biberon. Quand est-ce que vous grandissez, vous? Parce que c'est bien mignon. Alors, leur anniversaire, c'est mercredi. Nous sommes lundi. Il faut absolument que je fasse des bébés avant. Du coup, lui, il mange. Après, je le couche. Mais attendez, qu'est-ce qu'il a? Il est plein. Remplacé. Il m'énerve. Il est toujours cassé, cet aspirateur. Comment tu te sens, du coup? Tu te sens mieux, toi? Faire une sieste à Rio. Allez, remember. Let's go, dodo. Et, ah oui, c'est vrai, il y a ce truc-là. Ah, je le mets là, du coup. Mais elle est trop smart, par contre, cette Sims, contrairement aux autres. Elle est en colère. Pourquoi t'es en colère? Ah, réveillée et en colère. C'est l'aspirateur, parce qu'il faisait bip bip. Remplacé. Ah, je peux même pas le réparer. Ah, mais c'est parce que c'est pas moi, en fait. Réparer, ok. Je vais aller réparer ça et réparer ça, parce que du coup, c'est un peu compliqué. Très bien. Ensuite, je rechercherai ça et j'irai jeter, parce que ça, c'est un peu ma seule possibilité d'avoir de la thune. J'espère qu'il travaille pas, Eloi, parce que on a du taf à faire. Jeter. Très bien. Bon, j'essuierai ça plus tard. Je vais pouvoir revendre toutes ces magnifiques pièces. Donc c'est les gremlins hein, qui me mettent des bâtons dans les roues. Je me sens pas très bien, mais je me sens quand même assez bien. C'est pas Michel que je veux, c'est Eloi. Je peux pas lui dire de venir. Au secours! Centrer la caméra, il est où? Ah mais c'est parce qu'il fait du sport. Est-ce que je peux pas l'appeler? Il est trop loin. Mais du coup, je peux pas l'inviter. Donc là, tu manges. Eux, ils se portent bien. Lui, il pleure, mais en même temps, ça va. Il veut faire pipi? Ben, fais pipi dans ta couche. Hein. Et tu veux dormir. Alors, ce que je vais faire, c'est que toi, je vais te faire une sieste et toi, je vais te nourrir. Soin du bébé. Nourrir. Nourrir au biberon. Regardez comment c'est trop pipon avec mon petit hamster. Moi. Oh non, j'ai déjà galéré à payer mes factures dans l'autre truc, mais alors là, genre au secours. C'est bon, t'as bien... Ah, étape première grosse fuite. Bah, couche là quand même, hein, parce que... Oh, elle m'a fait pipi dessus, mais non. Vilaine. Non mais regardez là, du coup j'ai pu aussi. Est-ce que c'était bien le moment? Ouais, t'es toute pipou, t'es toute gentille, mais ça suffit pas. Voilà, je vais prendre un bain. C'est bon, les deux, ils dorment? Ah non, elle pleure toujours. Pourquoi tu pleures? Ah, il faut que je la change, j'imagine. Changer la tenue, changer la couche. Non, il faut que je la lave, en fait. Donc, ça serait bien, toi, que tu sortes du bain. Tu vas t'occuper de ça. Et ensuite, tu vas donner un bain à Camembert. Comme ça, au moins, Camembert, elle arrête de puer. Parce que, justement, la Camembert, eh bien, c'est le cas de le dire. Hein. En tout cas, il a bien macéré le fromage. Moi, je vous le dis. Hein. Lui aussi, il pue. Mais il pue tous. Je peux pas tous les laver. Déjà, un Camembert dans l'eau, c'était bancal, ok? Regardez comment elle est pipoum. Donc là, tout le monde dort. Est-ce que tu peux la calmer pour l'endormir? Alors, j'aimerais bien que tu manges. Plus de choix, ouvrir. Il y a quoi à manger? Ah, ben rien, du coup. Donc, tu vas cuisiner un plat. Il est 15h. Je suis totalement décalée, mais tout va bien. Tu vas cuisiner des sandwichs. Et je vais enlever ça. Je suis déjà fatiguée. C'est qui? Oh, Eloi! Invité à entrer. Trop bien, on va pouvoir faire des bébés. Dépêche-toi de cuisiner. Enfin, peut-être que si tu veux, on peut potentiellement essayer de faire un bébé. Là, maintenant, tout de suite. C'est notre moment, je le dis souvent. Mais c'est le cas. Alors, est-ce que je suis enceinte? Utilisée. Non, tu laisses ce bébé pleurer. Et qu'est-ce qu'il a? Ah, il a faim. Ils ont tout le temps faim. Ils ont tout le temps faim, mais pas au même moment. Ah, tu vas quand même le nourrir. Ah, non. Tu fais ton test et ensuite tu le nourris. Je suis sûre que je suis pas enceinte encore. Je vais encore pleurer du sang. Mais c'est pas grave. J'aimerais bien faire mon test en fait. Ah, c'est bon, manger pour deux. Enfin, parce que là, je commençais à me poser des questions. Non, tu vas pas lui annoncer, on s'en fiche. On n'a pas le time, on va s'évanouir au bout d'un moment. Et s'évanouir alors qu'on est enceinte, c'est pas ouf. Ensuite, 1142. Ok, il va falloir que j'aille faire une toile. Parce que sinon, c'est dead. Elle compte me saouler longtemps, là? Mon Sims me déteste. Vraiment, mon Sims me déteste. Alors, comment tu te sens, toi? Ça va un peu mieux? J'ai peur de la mort, hein, toujours. Mais au moins... je vais pouvoir un peu me remettre mieux. Il a la tête dans le mur. Ouais, je sais, je vais le ramasser. Je sais pas ce qu'il fait là, en fait. J'ai été me coucher. Il était dans le lit et après, il était par terre. Endormir Cam ici. Allez, au dodo, Annie. Oui, tu pues. Mais c'est pas grave. Calmer pour endormir. Et toi, on va te réveiller. On va te mettre dans le lit aussi. Mais par contre, laisse-moi tranquille, toi. Au secours, just go away. Laisse-moi. Alors, maintenant que tu l'as réveillé, mettre dans le berceau, s'il te plaît. Il est 1h du matin, mais je vais jamais me recaler bien, en fait. Hein. Non, nourrir. Au biberon, voilà. Non mais...
Attendez, elle me saoule par contre. Vraiment, elle me saoule. Réinitialiser l'objet. Parce que je sais pas pourquoi elle fait que bugger depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, le jeu, il veut pas coopérer avec moi. Je suis dégoûtée. Vraiment, mais... Oh, bordel. Allez, réveille-le. Merci. Oh, mon Dieu. Insupportable. Je vais jamais me coucher. Très bonne réputation. Ah, bah, franchement, la réputation, elle sera plus bonne quand je vais tuer un de mes gosses. Mais pas de soucis, pas de soucis. Très bonne réputation. Vous inquiétez pas. Allez, tu le calmes pour endormir. Moi, il faut que j'aille me nourrir. Ah, mais du coup, j'ai... Oh, non, ma nourriture. Non, mais c'est trop grave. Je l'ai oublié dehors. Mais rien ne va. Rien ne va. Manger un repas rapide. Charcuterie. Nettoyer. Balayer. Je vais prendre un bain et je vais me coucher parce que c'est bon. Il est 3h du matin. Je vais jamais m'en sortir. En fait, avoir des jumeaux, c'est bien beau cette histoire, mais c'est pas facile quand t'es maman solo. Je sais pas vous, mytho. On a vu plus simple dans la vie que de s'occuper de deux nourrissons. Franchement, on est mardi. Ils grandissent demain. Mon plus grand rêve, j'ai hâte, hein, parce que pour le coup, je vais en pondre deux autres. Et je suis... Ah, nouveau bébé, non. Je suis au deuxième trimestre dans 15 heures. Donc on a le temps. Ah, c'est bon, niveau de célébrité. Non, mais faites pas des frayeurs comme ça. J'ai eu peur, moi. Bande de malades. Non, mais voilà, je vais faire un AVC avant la fin de ce let's play. Moi, je vous le dis. Ça vient se passer. Je déstresse. Enfin, je déstresse. Je m'énerve. Il est 6 heures. Étape rire débloquée. Ben, continue à rire toute seule dans ton lit, s'il te plaît, le temps que je me remette bien. Je me remets plus, je me remets plus. Utiliser les toilettes. On va aller prendre un repas rapide parce que j'ai pas le temps de cuisiner en fait. Biscuits au fromage, voilà, dès le matin. C'est parce que je suis très fan de mon bébé camembert. Et là, il va falloir que je les lave tous les deux. Et que je les nourrisse aussi tous les deux. Ah non, juste elle. Pour l'instant, ils se réveillent pas. Tant qu'ils seront pas réveillés, par contre, je vais pas les réveiller pour le coup. Je vais aller faire une toile parce que j'ai besoin de thunes. Là, c'est bien beau cette histoire, mais ça ne va plus. Donc, je vais faire une toile classique et espérer faire une bonne toile qui va me coûter cher pour au moins payer mes factures. Et je surveille que les bébés pleurent pas. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est bientôt l'anniversaire de Cam. Tant mieux. C'est bientôt l'anniversaire de Riz. Tant mieux. Vous avez 24 heures pour payer pour Dédé. Ok. Bon, bah, nickel. Je vois que je me suis fait agresser par les notifs. J'hésite à potentiellement les noyer dans la baignoire. Mais ça va. Et vous? Ah, aime la peinture. Très bien. Si tu veux aimer la peinture, grand bien te fasse. Allez, non, non. Non, tu vends d'abord à un collectionneur. Ensuite, tu payeras les factures. Parce qu'on n'a plus d'électricité bientôt. Comment tu te sens? Bon, bah tu te sens pas très bien. Est-ce que ça m'étonne? Non. Allez, je le nourris et je vais le laver le temps que l'autre se réveille. L'autre, elle a plus la dalle que lui, mais elle s'est pas encore levée. Et je vais donner un bain à Riz. Allez au bain, Rimimbur. Ah, mais ça, c'est insupportable. Ils ont toujours pas fait la mise à jour pour les jeter, ces trucs. Oh oui. Oh, t'es mignon. Allez, mets la tête sous l'eau. Oui, oui. Ah, je le porte bizarrement. Ah oui, du coup, comme je suis toute petite, je le porte archi bizarrement. Oui, bah c'est bon. Endormi Riri, là. Riri, Fifi et Foufou, là. Je sais plus comment ils s'appellent. Oh, il y a un renard chez moi, visiblement. Alors toi, je m'occupe de toi. Bah, je vais aussi te laver, hein. Je vais te laver et l'autre, il va rester par terre pour l'instant. Écoute, que veux-tu? Au bout d'un moment, je peux pas faire plus d'efforts que... Voilà. Allez, au bain. On noie le deuxième. Zébardi. Vraiment, la dèche, quoi. Regardez dans quoi je les lave. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais une clé de bras? Non? Je sais pas. Peut-être qu'elle se lavait le coude. Oh oui, trop mignon encore une fois. Allez, regarde le canard. Ouh, il va sous l'eau. Mets la tête sous l'eau pour voir si tu survis vite. À chaque fois, je crois qu'elle est malade, mais non, c'est ses poils qui sont roses. Vous êtes pipou. Mais non, mais ça n'a aucun sens. Genre vraiment, c'est elle se nettoie le coude entre deux, genre. Ouh. Là, je commence à la noyer. Voilà. Oh, t'es mignonne, hein. Tu noies toi. Et tu la mets. Parfait. Allez, cette fois, si possible, tu la remets dans le berceau. Posez. Posez Cam ici. Merveilleux. Et ensuite, tu me poseras l'autre. Mais pose Cam, j'ai dit. Ah ouais, pose là. Tu poses le deuxième. Merveilleux. Et maintenant, je vais m'occuper de moi parce que ça va pas. Manger un repas rapide. Compote de pommes, c'est très bien. Ensuite, faudrait que... Franchement, j'ai lavé les deux bébés. Genre, ça m'a pas lavé moi à force de tremper mon coude dans l'eau. Gros mytho. Il y a écrit calme toute seule. Tu te calmes toute seule du coup. Non, elle se calme toute seule, on a dit. C'est bon, ils ont pas faim, ils ont rien. Tu vas prendre un bain. T'as pas mangé. Ah si, t'as mangé. J'ai plus de patience en fait. J'ai plus de patience. J'en peux plus. J'ai pas pris de photo avec Eloi. Voilà, tout va mal. Ah, j'ai des plantes. Oh, The Bee, elles sont toutes mortes à mon avis. Tout arrosé, tout désherbé. Et tout vendre. La moula avant tout. Bon, allez, de toute façon, je vais pas me laver en entière parce qu'on sait tous que dans 2 minutes, ils m'ont revomi dessus. Je sais pas pour qui je me suis pris. Je fais genre, mais ça ne marche pas. Je suis au deuxième trimestre dans 2 heures. Donc, on va finir par expulser les prochains enfants. Après, je tiens à vous rappeler qu'eux, ils grandissent bientôt. Tu les as pas désherbées, celle-ci? Ah, non, 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 tu vas pas avoir cet enfant. T'es trop mal à l'aise. Bon, bah, très bien. Je vois. Tu vas d'abord faire pipi et ensuite dormir. Oli, au dodo, Annick. Bah, je vais cuisiner.
Je vais cuisiner en étant malade, ça sera pas bon, mais bon. C'est bon, tu peux manger, j'espère que t'es contente, tu vas enfin pouvoir te nourrir. Ah, elle pleure. Pourquoi? Elle a nourrir Obi-Bran. Ah, je suis refatiguée. Ah non, mais c'est incroyable ça par contre. Ah non, lui aussi. J'aurai jamais le temps de nourrir les deux. Osgur! Demain, ils grandissent. Demain, c'est fini la galère, guys. Demain, c'est les vacances. Jusqu'au prochain. Du coup, il va me falloir une autre chambre. Du coup, il va falloir que je fasse blinder de thunes. Après, vous me direz, non, j'ai pas envie de les mettre dans une pièce pas fermée. Ça serait quand même un affront, quoi. Toi, ensuite, une fois que t'auras fini, t'iras dormir. Et à un moment donné, il va falloir que je fasse des toiles, hein. Parce que ça va pas passer. Ouais, bon, il est resale, mais. Non, il n'y a pas de tenir, en fait. C'est poséri ici. Ah, remember. Mais tu peux pas, si tu le changes, ça change rien. Je vais jamais me coucher. Il est déjà 1h du matin, en fait. Voilà, je vais m'évanouir. Incroyable. Toi, Francine, qui est une personne âgée, tu veux pas t'occuper de mes bébés, Francine, s'il te plaît. T'as pas l'air très aimable, Francine. Puis t'as l'air très en colère aussi. Du coup, j'appréhende un peu, je dois avouer. Du coup, poser, remember, au dodo. N'hésite pas à t'endormir, remember, hein, histoire que le temps défile. Non! Non, mais moi je m'en fiche, hein, qui pleure. Hein. Vraiment, ah non. Moi, je vais la remplacer. Je vais le tèche où là? Oh, mais je le mets là, mais je suis vraiment la pire daronne. Allez, s'il te plaît, tu te débarrasses du gosse. Non, il n'y a pas de poser riri ici. C'est genre, tu le mets au lit. Les deux, ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? A besoin d'aide. Mais il n'y a pas de. Oh la vie de ma mère. Je vais me coucher. Ils m'ont saoulé. J'ai mal au crâne. J'en peux plus. T'as raté quoi? Rien du tout, parce que je jure que je vais les tuer. Au secours, j'en peux plus. Il me donne mal au crâne. Paul, c'est pas le moment, tu comprends? Je pleure, mais dans la vraie vie. Il est 11h du matin, réveille-toi. Allez, bébé, il dorme, la vie, que vous allez continuer à dormir. Prendre des restes. Je vais peut-être le réveiller. Ah, il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de choix. Nourrir. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Croyez-moi, je vais clairement les faire passer. Je vais... Allez. Allez, ensuite, poser Riri ici. Et toi? Oh, elle aussi, elle crève la dalle. Tu vas faire gâteau, hein? Parce qu'on n'a pas le temps. Et croyez-moi, je vous aime beaucoup les enfants, mais il n'y aura qu'un gâteau pour deux, parce qu'on a encore moins le temps. Franchement, je me débarrasse d'eux, mais ils sont insupportables. Non, mais tu fais quoi là en fait? Non, mais même le gâteau, elle veut pas le finir. Genre, elle a été donnée un coup de pied à... Elle est aussi énervée que moi. Genre, elle a été donnée un coup de pied à la peluche, en fait. Tu me mets les bougies, c'est aider à souffler les bougies. Cam, d'abord, hein? Camembert, number one. C'est incroyable. Allez, tu souffles? Ouais! Happy birthday to you! Oula, comment elle a craché dessus. Ouais! Et de 1 au moins. Elle était calme, elle est passée angélique. Elle va être de mieux en mieux. Elle était calme, elle, déjà. Ensuite, ajouter les bougies avant qu'elle prenne... aider à souffler les bougies. Remember! C'est à ton tour. Let's go, c'est parti. Happy birthday to you. Again. Pourquoi elle est plus blonde, Camembert? Elle était pas blonde? Si, elle était blonde. Non? Je me rappelle déjà plus. Cam, t'étais blonde, je crois, hein. Y a pas à mentir comme ça. Hein. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était plus vert avec ça. J'ai... Wow. Ri a gagné un très bonus, découvrez. Ah, les bambins, c'est quoi le très bonus? Oula, oula. Nourrisson malheureux. Ah. J'ai pas vu si elle l'avait pris. Lui, il l'a en tout cas. Nourrisson malheureux. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tu fais que pleurer. T'es un pleurnicheur. Je vais aller faire une toile. Mais d'abord, je suis trop mal à l'aise. Donc, laissez-moi me nourrir, me laver, me changer, pleurer moins fort. Si vous avez faim, en vrai, vous êtes vraiment médisant, vous prenez des parts de gâteau, en fait. Voilà, mangez du sucre. De toute façon, ça vous rendra heureux. Tu veux pas faire une sieste sur le canapé? Voilà, allez dormir sur le canapé comme des malheureux. Parce que en plus, vous dormez par terre, mais vous pouvez dormir sur les canapés et tout. Qu'est-ce que tu fais? Déambuler. Bon, bah, déambule si tu veux. C'est pas moi. Ah, bonjour, je suis réveillée. Alors, très bien, tu es réveillée. Tu vas les laisser tranquilles 2 secondes. Juste le temps de te remettre bien. Foyer, ok. Je vais aller prendre un bain et ensuite je vais aller faire des toiles. Vous savez quoi? Je vais même pas aller prendre un bain. Je vais aller faire des toiles tout de suite. Je vais aller finir ma toile. Comme ça, au moins, je la vends et je réenchaîne. Pour le moment, tant qu'elle est pas mal à l'aise, je vais en profiter. Ok, tu vas me la vendre. J'ai pas vu combien elle coûtait. On va faire une toile classique encore. Je vais me refaire de la thune avant de m'occuper de mes gosses parce que sinon, les pauvres, ils vont être malheureux. Comme ça, après, j'accouche. Je pense que j'accouche soit dans la journée, soit demain. C'est pas quand est-ce qu'ils grandissent eux. Ils grandissent lundi. Non, c'est dimanche. Ils grandissent dimanche. Très bien, on est jeudi. Donc, c'est dans pas trop longtemps en vrai. Ok, nickel. Là, je me sens mieux. Je suis de nouveau fatiguée. Mais au moins, tous mes autres besoins sont en vert. Ça, c'est une good news. J'ai 95 ici, on va pas aller loin. Ok, très bien. Donc là, tu les laisses. Tu vas continuer la toile. Ah, je souffle enfin. Mon Dieu, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Oh non. Mais tiens, finis ta toile ici. Toi, tu vas pouvoir aller dormir ici. Et toi, il faut que je te lave. Donc c'est quoi? Je vais te donner un bain. Remember. Comme ça, au moins, tu seras content. Tu le laves. Tu t'évanouis. Tu vas t'évanouir. On va te coucher. Oui, mais... Ah, bah voyez. Voilà. Qu'est-ce que je disais?
Qu'est-ce que je disais? J'espère que je reviens avec avoir le bébé à l'hôpital. Non, je t'accompagne pas. Adieu! Merci! Ah, il y a quelqu'un qui a engagé une nounou, envoyé à la garderie. Ah, c'est un garçon du coup! Bon, allez, on aura un petit card. De toute façon, il sera pas aimé. Card member. Est-ce qu'il y en a un autre? Oh, il y a un autre garçon. Il nous faut un autre nom. On va l'appeler Zouk member, t'es pas prêt. Vas-y, on va l'appeler Zouk member. Pas de jeu de mots sur celui-là. Bon, ben enchanté. Alors attendez, c'est le moment où on voit nos bébés qui apparemment n'ont pas la peau verte déjà. Donc, nous avons là Card member et Zouk member. Voilà. Et aucun n'a la peau verte. Donc, en fait, Remember, c'est vraiment le plouc de la famille pour le coup. J'espère qu'il est content. Ils grandissent quand? Oui, parce que bon, c'est bien mignon cette histoire, mais je sais pas votre time. Ils grandissent demain, très bien. Il est 20h, très bien. Ah bah c'est bien, tu le nourris tout seul, très bien. Et ensuite tu... Ah non, d'accord. Bon, bah très bien. De pire en pire, de mal en pire. Ça me rend triste parce que pour une fois que j'étais bien, je vais devoir tout réparer et je serai plus bien. Ok, donc t'as mangé. Écoute, il y a un bébé qui pleure encore, hein, comme d'habitude. Je sais pas ce qu'il a. Je vais... Ah ben voilà, je vais lui changer sa couche. Oh, c'est un cauchemar ce let's play, mais j'en peux plus. Mais rien ne va. La maison est tombée en ruine. Mais déjà que c'est une ruine, c'est ça le pire. C'est une ruine qui tombe en ruine. Est-ce que vous avez l'impression que c'est normal même? J'ai mal au crâne. Oui, c'est votre anniversaire, mais vous savez quoi? Je vais vous faire grandir direct en fait. Allez, c'est le moment du verdict. Est-ce qu'ils auront la peau verte ou pas? Soin du bébé, changer d'âge. Hop là, soin du bébé, changer d'âge. On les expédie. Plus de chouet. Ah, Card. Alors Card, tu es pas vert. Et tu es sensible. Très bien. Hey, mais il a une tête normale, Card. Soin du bébé. Changer d'âge. Ah, il a quand même un peu les gros joues comme Cam, du coup. Mais moins. Moins. Et Zouk. Zouk, il est blond. Ah non, mais il est sensible aussi. Bah du coup, il est prudent. Continuez comme ça, en tout cas. Tu vas me mettre ici. Endormir Zouk ici. Et tu poseras l'autre là. Allez, Zouk. Au lit. La licorne au dodo, posée. Card member. Je vais donner un bain. Mais pas à Card, non. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu te sens? Tu te sens bien? Toi aussi, tu te sens bien? Adore qu'on le porte. Très bien. Ben, au moins, il est content. Voilà. Alors toi, tu te sens comment dans ta vie? Ça va en vrai? Ben, tu sais quoi? Je vais juste aller te lire une histoire. Comme ça, tu seras content. Pour la première fois, je vais m'occuper de mon gosse. Si ça, c'est pas incroyable. T'es content? T'es content que maman elle s'occupe de toi, toi qui étais un bambin délaissé, on se rappelle. Toi de ce côté-là, t'as un petit peu mieux dormi. Ce qui veut dire qu'une fois que j'aurai endormi ton frère, je vais pouvoir aller te donner un bain. Il est 17h en vrai, donc pour le moment, je peux rester réveillée. Elle commence à fatiguer, mais donner ouais, un bain de mousse si tu veux. Je sais pas si ça dure plus longtemps. Bisous à Kishima. Elle veut pas que je la douche, mais elle est bête ou quoi? Frérot, tu pues. Je sais que t'as un camembert et que voilà, mais... Regardez, je l'ai couché. Tout ça pour qu'il se réveille. Non, non, tu vas te coucher, point. Elle veut pas... Mais va au moins cuisiner. Cuisiner des sandwichs. Voilà, sera contente. Et après, j'irai me pioter, mais au moins comme ça, les enfants, ils pourront manger parce que là, sinon, ils se nourrissent pas, quoi. Faudrait que j'achète un lave-vaisselle. C'est bon, il n'y a plus rien. Très bien, bon, fais en manger. Écoute, au moins, ça sera ça de fait. Et du coup, après, il faudra que je continue à me faire un peu de thunes, mais là, on est déjà mieux qu'avant. Ah oui, tu dois avoir faim. Oui, mais tu n'étais pas réveillée tout à l'heure, donc je ne t'ai pas nourrie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais fais pipi. Tiens, attends. Nourris-le. Et toi, du coup, c'est bon, tu vas manger? Yes. Parfait. Bon, elle pue toujours, hein, forcément. Comme ça, tu le nourris. Ensuite, lui, tu vas le calmer pour l'endormir. Et on sera bien. Il y a besoin qu'on le lave. Il s'est fait dessus. Ok, donc calmer pour endormir aussi. Moi, il faudrait que j'aille me coucher. Parce qu'il est 22h et que je suis éclatée. Toi, tu fais quoi? Toi aussi, tu vas dormir. Très bien, puisque de toute façon, tu as mangé. Donc, comme ça, tout le monde dort. C'est une good news, non? Oh, elle veut pas s'endormir. Dors! On s'en fiche que tu ne veuilles pas dormir. Déteste qu'on le porte. Il y en a un qui adore qu'on le porte et l'autre, il déteste. Mais Zouk, il déteste, quoi. Très bien. Le gros relou. Je déteste mes enfants. Je vais encore vouloir les noyer dans la baignoire. Mais franchement, ça se passe super bien. Et vous? Oh, j'ai oublié de les ranger encore. Je suis trop nulle. Je suis vraiment la pire. Mais en même temps, pourquoi tu fais des trucs et tu les ranges pas au frigo toute seule? À un moment donné, tu te nuis à toi-même. Cuisiner ensemble, je vais cuisiner avec qui? Je suis toute seule. Je suis toute seule. J'ai pas d'amis. Préparer un ragoût. Qu'est-ce qu'il y a, petit bout? C'est le seul qui est bien. Ah, il a faim. Mais je suis en train de faire à manger. C'est bon. C'est bon, prends. Tu peux prendre. Prends une portion. Il va falloir que je... Ouais, il y a de la poussière partout. Il va falloir que je passe l'aspirateur. Mais écoutez, on va se laisser là pour ce live. Parce que là, ils m'ont mis la tête, mais en compote, entre les bugs du début et les Sims tout court à la fin. Parce que les 4 bambins, c'est pour m'achever, très clairement.